We're very glad this morning we have once again Pastor Trio, of course, with his beautiful wife and his kids and his colleague, which is also another preacher. And then we're very glad. It's a blessing of God. So they're here today, and they're here for do the sermon for the youth, and the first sermon for what God told them to be able to know today. But we ask everybody, we don't have somebody who's going to translate. We're very sorry about that, but we know everybody here understand the word of God. We know everybody here understand English, and we know everybody here will be blessed, because even though there's a lack of separation from our language, but we have one God and one Spirit, and He understands everything. For that, we, from the beginning, we say so. I want to come and see you. And so, this is what I am. Assembléa, capable de mettre debout, vous chantez au numéro 136, Française en Espérance. Nous joyeux, bénissons le Seigneur, chantons de célébrons ses louanges, adorons avec lui, avec toi le Sauveur, nous joyons au céleste phalange. Voilà. Oh.
no do Messi. O saco o feto no meme. Que mundo nos dê. Merci de ce que, ô Dieu, nous prions matin dans son temple pour nous venir faire ensemble avec les anges dans le ciel. Qu'elle dit gloire, 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 amen. Chaque monde qui est déjà là, Seigneur, permet que matin, il reflète ce cœur à vous-même. Permettre au Dieu que nous venions nous faire ressentir, remerciement, puisque nous dormons, nous levons, manions fonctionnels, et bien nous venions matin, Seigneur, pour nous faire ensemble avec les anges, pour nous dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur, matin, vous connaissez un serviteur comme moi déjà. Il est capable là matin, déjà là. Et tout ça que nous parlons faire matin, par en faveur pour nous-mêmes, pour nous capables de faire en haute, de que nous, pour gonfler, pour enfler, et permettre de tout ça que nous pouvons faire, ma terre, quand on vient faire à vous-même seul, parce que vous méritez toute gloire, toute gloire vous vient à vous-même. En tant que petit cœur, nous te prions, donc en vertu de mes lignes, et par mon fils Jésus, et qui nous dirige. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous puisse pas de la science, mais Seigneur, délivre-nous des méchants. Parce que la foi qu'à la terre, nous sommes la distance. Le règne, la puissance, la gloire. Amen. Pendant que nous étions debout, nous allons lire de façon alternée le psaume 91. À la gloire de Dieu. Psaume 91. Alternativement, à la gloire de Dieu. Psaume 91. I say the first verse, and then you say the second one. Ainsi de suite. Psaume 91, Psaume 91. Celui qui demeure sous la vie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis qu'à l'air, il ne me plus de ma forteresse. Mon Dieu, à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de la zeur, de la peste et de ses ravages. Que tu pourras le faire plus, et que tu pourras le profiter de ses ailes. Ta fidélité est le bouclier qui est puissant. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas et tu verras la condition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mariage n'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu marcheras sur le lion et sur la cigne, tu fourras le lionceau et le dragon. Je m'envoquerai, je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Dieu,
premièrement en français et deuxièmement en anglais. Et la lecture en anglais sera faite par le pasteur ici présent à côté du pasteur Petrillo. Néhémie, chapitre 1er, les 11 versets de ce chapitre. Nehemiah, chapter 1, verse 1 to 11. And you will read the verses in English while I'm going to read in French. Nehemiah, chapitre 1er, les 11 versets de ce chapitre. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ce homme. J'étais alors et chanson du roi, parole du Seigneur. Amen. Maintenant, levez-vous pour la lecture en anglais. The words of Nehemiah, the son of Hakael. It came to pass in the month of Cheslev, in the 20th year as I was in Shishan, the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah. And I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. And so it was, when I heard those words, that I sat down and wept and mourned for.
for many days. I was fasting and praying before the Lord of heaven. And I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments, please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night. For the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. You, both my father's house and I, have sinned. We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Remember, I pray, that the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations, but if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I have chosen as a dwelling place for my name. Now, these are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name. And let your servants prosper this day, I pray, and grant them mercy in the sight of this man. For I was the king's cupbearer. Amen. Maintenant, pour aller au pied de la croix, on va chanter assis au numéro 61, créole. After we finish to sing that song, Pastor, you're going to come and do the prayer for us. I don't know how to say in English. We'll call them sacerdotal. I don't know how to say in English. So it could take you like whatever God put in your heart to intercede for that. And we all close our eyes and then listen to you pray for us. But before we're going to sing this song, 61 Creole, Celebi Creole. Tout péché ou c'est trésor, moi je suis sauveur tout. Kembe, mon Dieu d'amour. Femme, joigne un côté pour me cacher dans vous. Femme, joigne un côté pour me cacher dans vous. Oh,
Lord, pray with you. But I can think of no other better place to pray than Psalm 91, which we read this morning. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of his wing. But one verse in particular struck me. Verse 14 says, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. We live in treacherous times here in America and all over the world. And now more than ever, we need to be found under the pinion of his wing, into the shelter of the Most High God. And so this morning, Lord, I just come before you and I bring this congregation and all Christians all over the world before you. And I ask, O God, that we would be found under the shelter of the Most High God, that your wing would protect us from the fiery darts of the enemy. And though pestilence and plague and wars and rumors of wars may come towards us, Lord, that no thing will take us from the presence of the Lord Jesus Christ and his Holy Spirit. I pray, Holy Spirit, that you would be strong in this congregation. I pray, Holy Spirit, that you would be evident in this congregation. I pray, Holy Spirit, that you would be strong and powerful in this place, right here in Central Islip. And Lord, that it would be a place of change for this community and across Long Island. I pray, O God, that in this community you would start something new. I pray, O God, that you would start something strong. I pray, O God, that you would start something full of your Spirit. And many, many people would come to know the salvation of the Lord Jesus Christ through this ministry and in this place, here and today. I pray for Central Islip and this holy place now, in the name of Jesus. Holy Spirit, come and be with us this morning as we hear your word now, and we surrender to you. And Lord, because we have set our love upon you, therefore, O God, I pray that you will deliver us in the time of turmoil and stress. Thank you, Jesus. We pray all this in your precious name. And all God's chief people said, amen. Amen. De Dieu soit avec vous. Amen. Que la bénédiction du ciel soit sur vous. Amen. C'est une joie de servir Jésus. Amen. On dit le Seigneur merci de ce que l'accorder à chacun de nous, cette grâce, cette faveur que nous capables conduits par le Saint-Esprit pour nous retrouver nos matins dans la présence de Dieu. Car il est dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux
pour les bénir et pour les sanctifier, n'est-ce pas? Amen. Et cantique que nous aimons chanter, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie ou la souffrance, elle est le repos du cœur. We want to thank the Lord this morning for this great opportunity to have among our church two pastors. Amen. We have Pastor Petrillo, and I don't know the name of the pastor yet. Please, can you? Pastor Bambino. Pastor Bambino. Amen. That's right. Amen. Et l'église dit? Amen. Nous comptons qu'il y a avec nous. And I want to congratulate you because God called you to serve Him. And you serve the great Lord, the Master, the Creator of everything. And you are minister for God. Amen. So I think, moi pense que l'Église doit apprécier ça. Parce que bon Dieu voyait monde mettre dans service. Non? Amen. Qui est-ce qu'on y est pour que bon Dieu fait tout ça pour nous? Donc, nous disons merci à Pasteur Petrillo et Pasteur Bambino. And we expect that one Sunday, Pasteur Bambino will come to preach also. That's right? Amen. Okay. This is an invitation for Pasteur Bambino. Also, I want to say thank you to you to come with your family, your wife, your son, and thank you for coming again and to worship with us in this church. May God bless you. Amen. Nathalie, est-ce que, à part le pasteur Bambino, I'm speaking in Creole, you can understand what I'm saying now, est-ce que quel autre monde qui vient pour la première fois? I would like to know if there is some people who come for the first time in our church to worship the Lord. Okay. Donc, tout le monde là, c'est mon kai. And I can say also that Pastor Petrillo and Pastor Bambino, you are mon kai. You don't understand mon kai. All right. When I say you are mon kai, so you are right member of this church. And I can say because you are a member of the Church of Lord, who is universal. So we are part of the Church of the Lord. So we are all mon kai. All right. And after that, we will translate for what that means, mon kai. Juste après le service de ce matin, la chorale de l'église et tous les membres sont invités à rester. Le maestro est là, donc t'as remé que gagne un cours de répétition après le service de ce matin. Ce soir, m'a pas de nous prêter attention parce que j'ai reçu l'appel jeudi de pasteur Evans, qui demandait pour que l'Église, si vous voulez, fait l'honneur pour que Assoir soit ensemble avec elle. Imaginez-nous, l'annonce n'a pas été faite dimanche dernier, mais toutefois, puisque c'est le service du Seigneur, n'a pas été Assoir à partir de 6 heures de l'après-midi, tout le monde qui n'a pas gagné un engagement.